je dois faire une pause pour reprendre mon souffle. Cet endroit... Qui t'ai-je ? Jacob, les immortels. J'ai couru si longtemps et tellement vite que je n'ai même pas pris le temps de m'arrêter pour assimiler le fait que tout ça est réel. Une partie de moi n'arrive toujours pas à y croire. Mais je sais que Jacob disait la vérité. La chose qui a fait de lui ce qu'il est se trouve ici, et je compte bien la trouver avant les Trinitaires. J'aimerais tellement que papa soit là pour partager cette découverte avec lui. Jacob, je suis en route. Qu'est-ce qui m'attend là, en bas ? Nous n'y avons pas mis les pieds depuis que nous avons condamné cet accès. Il y a des siècles. Mais vous serez en sécurité. Jusqu'à ce que vous passiez le planétaire. Une annexe de l'observatoire ? Oui. Il a été conçu par mes astronomes, avant que les immortels n'enterrent la cité antique. Vous allez devoir le manipuler pour ouvrir l'accès à Kitej. Ordinaire. Alors, comment est-ce que ça marche? Je n'arrive pas à la placer comme il faut. Je dois la mettre dans la bonne position. Thank you.
C'est verrouillé. Il suffit de désenclencher le mécanisme. Les Mongols ont tout détruit. Et la cité a sombré dans la glace. Patience, Lara. Maintenant! Codex. Celui-ci traite des techniques d'archerie de pointe développées à Byzance. Thank you.
Des cloches. La cité antique est tout près. Lara, on est sur la montagne, au-dessus du glacier. Vous voyez les Trinitaires ? Ouais, ils commencent leur opération. Je viens d'arriver à la cité antique. Écoute, Sophia, il ne faut pas les attaquer trop tôt. On va attendre un peu. Je te recontacte bientôt. J'ai cru mourir. Le froid m'a rongé petit à petit et m'a affaibli. J'ai vu le peuple du prophète camper sur les pentes d'une étrange vallée verte. Pas après pas, épée à la main, j'ai avancé. Je voulais courir. Le cri de guerre était sur mes lèvres desséchées. Mais j'ai perdu conscience et je me suis écroulé dans les bras des hérétiques. Ils savent qui je suis. Ils attendaient les Trinitaires. Ils n'ont presque rien. Mais ils m'ont nourri et m'ont tenu au chaud jusqu'à ce que je puisse à nouveau marcher. Le prophète m'a dit que je pouvais partir dès que je le souhaitais. Mais ils ont pris mes épées. Même armée, je ne suis pas sûr que je pourrais tuer cet homme. J'ai trahi l'ordre. J'ai échoué. Mais je vis.